In France, suburbs are ghettos where tourists never go. With a touch of unconscious irony, streets named after the immortals run through housing projects filled with the disenfranchised and the children of immigrants. This is where designer Mohamed Dia started, and where he's turned his love of America into a big business. J'aime la mode de la rue, c'est tout, parce que je viens de la rue. Je dirais que j'ai été bercé dedans. Pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la mode de la rue, elle n'a pas de code de conduite comme on peut retrouver dans les collections de haute couture. Si demain on veut porter des cols longs, ben on portera des cols longs. Si demain c'est la mode de porter des vêtements larges, on portera large. Puis voilà. Pour être dans la haute couture, il faut suivre des codes. Alors que dans la rue, on peut tout faire. Toute la mode de la rue vient des États-Unis et est inspirée de là-bas. Et quand je voyage aux États-Unis, comme on a pu le voir, moi je marche beaucoup dans la rue, je rencontre les gens, je prends le métro, et puis de là on capte les tendances. Alors là on retrouve le fameux t-shirt sur lequel dans lequel j'avais parlé un peu du thème, le concept réfugié. Donc c'est plusieurs images de la vie de tous les jours qui habitent New York. La première fois que je suis venu aux États-Unis, c'était en 1994. J'ai été, on va dire, choqué. J'avais jamais vu ça. Pour moi, c'était un pays... C'était le contraire de ce qu'on m'avait raconté en France. La communauté noire jouait un rôle dans cette société. Et je dirais, le truc qui m'a encore plus choqué, c'est quand j'ai vu la publicité de voitures à télévision, où à un moment, on voyait des Hispaniques, après des Blancs, après des Chinois, après des Noirs, pour des publicités de voitures. Moi, quand j'ai vu ça... Et le quartier ici, là, on l'appelle, s'appelle Cop Killer, c'est le nom, en français même. Donc c'est un endroit où les policiers ont peut-être du fil à retordre avec les jeunes. Promenade un peu, on se promène. Ça, c'est des conneries, hein. C'est marqué « I fuck the government ». Quoi encore ?« I fuck the police », etc. C'est les jeunes d'ici qui ont, on va dire, sont révoltés contre le gouvernement, qui se disent qu'on les laisse dans un trou à rats, et aucune possibilité de s'en sortir. Donc voilà. Et ça, c'est des choses que je comprends, parce qu'il y a un moment, moi, j'étais, on va dire, dans... Je dirais que j'étais dans une même état d'esprit qu'eux, quoi. Voilà. Je suis né en France, mais en France, j'ai l'impression d'être africain, parce que je ne suis pas accepté dans la société française. Aux États-Unis, quand je viens aux États-Unis, eux, ils me voient en tant que Français, par mon attitude, par ma manière de parler et par du pays d'où je suis né. Et c'est là un peu le paradoxe des choses, c'est qu'on est Français aux États-Unis et en France, on n'est pas Français. Pourtant, on est Français, mais on est Africain ou on est étranger, on n'est pas dans cette société. Born African in Paris. Born French in New York. En général, quand je me fais des tatouages, c'est des choses que j'ai au fond de moi-même. Et l'idée de me faire ce tatouage, je me le rappelle tous les matins. C'est-à-dire quand je me lave, de ne pas jamais oublier tout ça. En France, on n'accepte pas la réussite des autres. On n'aime pas parler d'argent. En France, je dirais, c'est un pays pour moi qui est très... je sais qu'en Amérique, c'est un peu différent. Très conservateur, hein, mais ça n'a rien à voir. C'est que les Français, eux, pour eux, les riches doivent rester riches et tous les gens qui sont pauvres doivent rester pauvres. Ils ne croient pas au rêve américain. Moi, je suis quelqu'un qui croit au rêve américain. Je pense que ma génération croit en tout ça. Mais on a une société, la société actuelle ne veut pas faire rêver les jeunes.